le cheval islandais est une race de cheval originaire d'Islande. C'est l'une des races de chevaux les plus anciennes du monde, ayant été importée en Islande par les premiers colons norvégiens au 9e siècle. Durant des siècles, ces chevaux ont évolué en isolement dans les paysages volcaniques d'Islande, développant ainsi des caractéristiques uniques. Historique et origine, le cheval islandais descend des chevaux amenés en Islande par les premiers colons norvégiens au 9e siècle. Pendant des siècles, ces chevaux ont évolué en quasi-isolement dans l'environnement volcanique et rude de l'Islande, développant ainsi des traits distinctifs. Leur gène n'a quasiment pas été altéré par l'introduction d'autres races, ce qui en fait l'une des races les plus pures au monde. Le cheval islandais est de taille moyenne, mesurant généralement entre 130 et 145 cm au garrot. Il est trapu et musculeux, avec une tête large et une encolure épaisse. Ses membres sont courts mais robustes, le rendant particulièrement adapté aux terrains accidentés. La robe peut prendre différentes couleurs, allant du noir au blanc en passant par le bai, le gris et le pie. Malgré sa taille modeste, le cheval islandais est réputé pour sa robustesse, sa vivacité et sa docilité. Il a joué un rôle essentiel dans la vie des Islandais pendant des siècles, servant de monture, de bête de trait et de transport. Aujourd'hui, il reste très populaire en Islande et fait l'objet d'un élevage soigné pour préserver ses caractéristiques uniques. Une des caractéristiques les plus remarquables du cheval islandais est sa capacité à effectuer cinq allures distinctes, le pas, le trot, le galop, l'amble et le tölt. Cette dernière allure, le tölt, est unique au cheval islandais et se caractérise par une démarche rapide et fluide sans phase de suspension. Cette allure permet une monte confortable et est très appréciée pour la randonnée. Caractéristiques physiques. Outre sa petite taille, le cheval islandais se distingue par sa forte constitution. Il a un corps trapu, des membres courts mais robustes, une large tête et une encolure épaisse. Ses robes peuvent varier du noir au blanc, en passant par le bai, le gris et le pie. Une caractéristique unique est la présence de cinq allures distinctes, dont le célèbre tölt, une allure rapide et fluide sans phase de suspension. Réputé pour sa robustesse, sa vivacité et sa docilité, le cheval islandais a joué un rôle essentiel dans la vie des Islandais pendant des siècles. Il a été utilisé comme monture, bête de trait et moyen de transport. Aujourd'hui, il reste très populaire en Islande et fait l'objet d'un élevage attentif pour préserver ses caractéristiques uniques. Il est apprécié pour la randonnée, les compétitions d'allure et les spectacles équestres. Grâce à une politique stricte d'interdiction de l'importation et de l'exportation des chevaux islandais, la race a pu être préservée dans sa pureté d'origine. Des associations d'éleveurs veillent à la sélection et à la promotion de cette race emblématique qui fait partie intégrante du patrimoine culturel islandais.
génétique et reproduction, le cheval islandais est l'une des races de chevaux les plus pures au monde. Grâce à l'isolement de l'Islande, son bagage génétique a été préservé sans mélange avec d'autres races pendant des siècles. Les éleveurs islandais appliquent des programmes de sélection rigoureux pour maintenir la pureté de la race. La reproduction est strictement contrôlée et seuls les étalons et juments approuvés par les associations d'élevage sont autorisés à se reproduire. Capacités physiques uniques. Outre ses cinq allures distinctes, le cheval islandais possède d'autres caractéristiques physiques remarquables. Il a une grande endurance et peut parcourir de longues distances sur les terrains montagneux et volcaniques de l'Islande. Sa fourrure épaisse le protège du froid rigoureux du climat islandais. Ses sabots sont particulièrement durs et résistants, le rendant apte à traverser des paysages escarpés sans difficulté. Rôle culturel et économique, le cheval islandais a joué un rôle central dans la vie et la culture islandaise pendant des siècles. Il a servi de moyen de transport, de bêtes de trait et de monture de guerre. Encore aujourd'hui, il fait l'objet d'un véritable culte en Islande. Des compétitions d'allure et de spectacles équestres mettant en scène ces chevaux sont très populaires. L'élevage du cheval islandais représente aussi une activité économique importante pour l'Islande. Effort de préservation. Face à la menace d'une possible dilution génétique, des mesures strictes ont été prises pour préserver la race. L'importation et l'exportation de chevaux islandais sont interdites, et seuls les chevaux nés en Islande peuvent être reconnus comme appartenant à la race. Des associations d'éleveurs travaillent à la sélection des meilleurs spécimens et à la promotion du cheval islandais dans le monde. Élevage et sélection, l'élevage du cheval islandais fait l'objet d'une attention particulière en Islande. Des programmes de sélection rigoureux sont mis en place par les associations d'éleveurs pour préserver les qualités de la race. Seuls les meilleurs spécimens, évalués sur des critères de conformation, de tempérament et de performance, sont autorisés à la reproduction. Des contrôles génétiques stricts sont effectués pour éviter toute contamination. Utilisation et compétition. Outre son rôle traditionnel de monture et de bête de trait, le cheval islandais est aujourd'hui très apprécié pour les loisirs équestres. Il est utilisé pour la randonnée, les promenades touristiques et les spectacles équestres mettant en valeur ses allures uniques. Des compétitions nationales et internationales de tulte et d'autres allures islandaises sont organisées, attirant de nombreux passionnés. Patrimoine culturel islandais. Le cheval islandais fait partie intégrante de l'identité culturelle et du patrimoine de l'Islande. Il est profondément ancré dans les traditions, la littérature et les arts du pays. De nombreuses légendes et sagas islandaises mettent en scène ces chevaux. Leur silhouette est également présente sur de nombreux symboles et objets représentatifs de l'Islande.